Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. C'est Pâques aujourd'hui, Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Joie, paix, amour, libération, des mots positifs, des mots qui viennent mettre du baume au cœur, des mots qui viennent mettre de la vie en nous. Et pourtant aujourd'hui, nous sommes tirés vers le bas, et c'est justement dans cette vie, entre bonheur et question sur le lendemain, que Dieu vient nous annoncer sa bonne nouvelle. Un temps pleinement vivant, un temps pleinement questionnant, un temps pleinement ancré dans la réalité de nos vies. Pendant ce temps de culte, nous allons vous proposer de célébrer ensemble la Sainte-Seine, seul ou en communion avec celles et ceux qui partagent votre confinement, mais aussi en communion les uns avec les autres, à travers ce partage vidéo. Pour cela, pas besoin de grand-chose, un peu de pain, un peu de brioche de Pâques, un peu d'agneau pascal, et un peu de vin, de jus de raisin, en tout cas, des éléments que vous avez chez vous, des éléments de votre quotidien. C'est ça le message de Pâques aussi, c'est Dieu vient faire de la réalité de nos vies quelque chose de neuf, quelque chose qui vient porter la vie. Alors, bon culte de Pâques, à vous. Louons Dieu et célébrons son nom. Oui, nous pouvons nous réjouir. Oui, nous pouvons être heureux. Oui, il faut chanter, il faut que cela sonne dans nos maisons, dans nos jours, dans nos nuits. Entonnons donc tous, tous d'un même cœur, les hymnes de la vie. Car la mort elle-même, la mort ne peut plus rien. Ni contre toi, ni contre moi, ni contre l'humain, elle ne nous gardera pas. C'est ça que je veux croire. Là est ma confiance, ma conviction, même dans le malheur, même quand mon corps tremble et que mon cœur s'affole, éprouvé. Car Christ a vaincu la mort, elle n'a plus de pouvoir. Pour notre raison, c'est fou, c'est follement merveilleux. Et ce n'est pas trop beau pour être vrai, ni pour notre cœur, ni pour notre foi. Oui, c'est ici, ici, maintenant, la journée que Dieu a faite. Jésus-Christ, pierre de base, fondement de toute vie. Jésus-Christ, clé de voûte. Jésus-Christ me porte à travers la mort. Il me porte vers la vie. Amen. Thank you.
l'amour de Dieu, déposons nos vies entre ses mains. Seigneur, les paroles de joie avec lesquelles nous avons ouvert ce temps de culte nous dérangent, nous déplacent. Elles sont trop pleines de joie, en décalage avec la réalité de nos vies. Et nous le reconnaissons humblement. Tu nous parles de vie, et nous-mêmes sommes tournés vers le souci de la mort et du déclin. Tu nous parles de victoire, et nous sommes habités par le défaitisme. Tu nous parles de joie partagée, et nous ne pouvons pas partager physiquement cette joie avec d'autres. Tu nous parles d'un horizon de vie, et notre horizon semble bouché. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nos soucis nous submergent, nous ensevelissent. Viens et délivre-nous encore de nos tombeaux. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous donne sa vie. C'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous ressuscite. C'est Pâques pour nous. Aujourd'hui. Amen. Prions avant de lire l'évangile du jour. Seigneur, en ce matin de Pâques, donne-nous d'accueillir ta parole comme une rosée vivifiante pour notre vie. Amen. Et dans l'évangile de Marc, nous lirons la fin de cet évangile, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée, or elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Thank you.
Comment évoquer Pâques sans penser aux mots de l'apôtre Paul au début de sa première lettre aux Corinthiens? Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Il n'y a pas que la croix du Vendredi Saint qui pose problème à ceux qui veulent tout soumettre aux diktats de leur sagesse ou de leur raison humaine. La résurrection leur est tout aussi inaccessible. Et comment évoquer Pâques sans avoir en tête quelques-unes de ses traditions les plus ancrées? L'agneau, qu'il soit en viande ou en biscuit. Le lapin ou le lièvre, selon la région. Les œufs de poule ou en chocolat. Le présumé retour des cloches. Oui, le besoin de tant de façons d'essayer d'illustrer ce qu'est Pâques nous en montre bien la difficulté. À commencer par l'orthographe. Avec ce nom de fête qui est au singulier pour les juifs et les chrétiens orthodoxes, mais au pluriel pour les catholiques et protestants de langue française. En continuant avec tout ce que cette fête emprunte dans son sens ou ses représentations à d'autres, du paganisme au judaïsme. Nous fêtons Pâques parce que Jésus de Nazareth, juif pieux et croyant, a lui-même fêté la Pâque avec ses disciples. Avant, au travers de sa passion et de sa résurrection, de lui donner un sens nouveau. Pour les disciples de Jésus qui partagent avec lui son dernier repas, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Mais la Pâque juive fut d'abord la compilation de deux anciennes fêtes en Israël. La première était célébrée en l'absence de tout prêtre et de tout sanctuaire, par les bergers semi-nomades lorsque, au printemps, les brebis et les chèvres ayant mis bas, la transhumance pouvait reprendre. Avec toutes les incertitudes et toutes les menaces de la route, celles qui font attendre une délivrance. La deuxième fête était le pèlerinage au temple des agriculteurs venant porter l'offrande de la première moisson. C'était une fête reconnaissante pour cette nouvelle abondance qui dégageait de la dépendance au vieux reste du passé. Il y a donc, dans cette Pâque juive, toute la foi et toute la joie du renouvellement des forces de la nature après l'hiver, toute la confiance que l'on peut avoir en ce Dieu qui nourrit et qui conduit en sécurité son troupeau. Ce Dieu qui a fait la preuve de son intervention dans les choses usuelles et qui est aussi celui en qui on peut compter dans les temps exceptionnels de l'histoire pour faire traverser toutes les épreuves, sauter par-dessus tous les obstacles, le peuple qu'il s'est choisi. Avec Jésus, c'est d'un troisième esclavage, le dernier, que nous sommes affranchis. La Pâque juive nous disait libre de l'esclavage des caprices de la nature et de l'esclavage des péripéties de l'histoire humaine. L'œuvre du Christ culminante au matin de la résurrection nous dit libre de l'esclavage de ce qui, dans notre nature humaine, nous tenait à distance de Dieu. Oui, une vie nouvelle nous est donnée, vie garantie par l'alliance avec Dieu scellée dans le Christ. La folie de Dieu, celle de son incompréhensible amour pour nous par-delà toutes les ruptures, est déraisonnable. Elle nous est inaccessible par tout autre moyen que le cœur. Elle nous met face à des paradoxes insolubles à hauteur d'homme, ne trouvant d'issue que dans la foi. Au matin de Pâques, les premières femmes venues au tombeau sont encore assommées par la déception de leurs espoirs déçus. Elles retournent lentement à leurs réflexes humains en commençant par les plus structurants, en premier le respect dû aux morts. Mais il reste quelque chose de ce temps si récent de miracle. Elles se rendent à la grotte sans se préoccuper de savoir qui roulera la lourde pierre qui la ferme. Sur place, le problème envisagé est déjà réglé, mais s'en pose un autre. Le corps n'est plus là. Elles passent alors par le doute et la frayeur. La mort fait mal, mais elle appartient au normal de nos vies. On apprend à faire avec.
L'inconnu d'un avenir ouvert peut se révéler, lui, bien plus effrayant et même paralysant. Ce jour-là, les femmes de l'évangile de Marc n'osent répéter ce qu'elles ont vu et entendu à personne. Les 11 disciples réunis sur la montagne en Galilée de Matthieu, les pèlerins d'Emmaüs, de Luc ou Thomas chez Jean auront le même mal à comprendre et à croire avant de devenir témoins. On retrouve cette ambiguïté dans beaucoup de nos symboles usuels de Pâques. L'agneau est tout autant le petit animal dont l'image nous fait craquer que l'allégorie du sacrifice. L'œuf est symbole. Pour célébrer l'éclosion de la vie depuis au moins 5000 ans sous forme peinte au retour du printemps en Chine, pour formuler un espoir de quelque chose à venir dans certaines tombes de l'Antiquité de l'autre côté du Rhin, ou pour traduire le deuil dans le judaïsme, que ce soit pendant la semaine de confinement des proches après un décès, ou lorsqu'il est fait mémoire de la destruction du temple de Jérusalem, ce lieu où Dieu venait accorder sa présence au milieu des siens. Bugs Bunny, lièvre par les oreilles et lapin par le terrier, ne dépose pas d'œufs dans le jardin, ni n'amène de cadeaux à la maison. Mais par sa fantaisie contournant toute logique de ses adversaires, par sa capacité à triompher de toutes les situations avec la même malice que celle qui fit élever Moïse à la cour de Pharaon, il nous dit quelque chose de la fête. Chacun sait, dès la première seconde, que quoi qu'il puisse arriver, la fin sera heureuse. Les méchants seront défaits, aussi peu conformes aux politiquement corrects que seront les moyens utilisés. À chaque épisode, l'intrigue changera, mais le résultat sera toujours à son avantage. Une partie de son charme est dans le running gag initial, la question par laquelle il apostrophe celui dont il va se jouer. « What's up, Doc ?»« Quoi de neuf, docteur ?» On sait, à travers cette phrase, que tout est en place. De même, pour nous, Pâques est là. Et en faire mémoire, c'est redire notre confiance, sans avoir à craindre les détails. Ce matin, les cloches sont de retour. Après leurs 2 jours de silence en l'absence du Christ, elles nous invitent à rejoindre le chemin de la foi. Il est possible que nous soyons lents à nous mettre en marche, voire réticents au moindre effort. Apathique, voire à l'étroit dans notre existence à force d'être triste, pauvre de mots et de moyens. Pensons alors à Droupi, l'autre grand personnage créé par Tex Avery, celui capable de nous bousculer en nous traitant sans raison aucune de joyeux contribuables, celui qui nonchalamment peut affirmer en dépit de toute apparence qu'il est le héros. Celui surtout qui, sans que cela ne se voit à sa mine, vient doucement nous glisser « You know what? I'm happy. Vous savez quoi? Je suis heureux. » Sortons de nos tombeaux. Laissons entrer en nous le renouveau, le passage et la libération qui nous sont offerts en Christ, mort et ressuscité pour nous. À toutes et à tous, joyeuses fêtes de Pâques.
C'est notre joie, Seigneur, de te célébrer, célébrer ensemble ton amour, Dieu de tendresse, Dieu de bonté. C'est notre joie de te dire merci. Quand nous faisons silence, écoutant ta parole, nous percevons le cri de joie. Venez à la fête, venez, c'est le Seigneur qui nous invite. Partagez le pain et le vin, laissez là vos soucis et vos peines. Habillez vos cœurs de joie, que tous viennent à la fête, car nous avons une joyeuse nouvelle à vous annoncer, une nouvelle qui bouleverse votre vie. Christ est ressuscité, allez, venez tous à la fête de la vie, car nous étions morts et nous sommes vivants. Venez, car tout est prêt. La veille de sa mort, alors qu'il célébrait la Pâque juive, fête de la libération du peuple hébreu du pays d'esclavage et de servitude d'Égypte, Jésus était à table avec ses disciples et il prit du pain. Il rendit grâce à Dieu, il le rompit, il le donna à ses amis qui étaient avec lui en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit une coupe, rendit grâce à Dieu et la donna à ses amis en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, tu nous offres ta vie en ce matin de Pâques. Libère-nous de tous nos enfermements. Libère-nous de toutes nos angoisses. Toi qui nous aimes et qui veux le meilleur pour nous. Viens, Esprit de Dieu, viens nous parler, viens nous libérer. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ, c'est le pain de la vie. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, c'est la coupe de l'amour de Dieu, la coupe de la bienveillance, la coupe du pardon. Dieu nous donne sa vie. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il vienne et qu'il prenne le repas. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Prenons maintenant ce repas du Seigneur en communion les uns avec les autres, seuls ou à plusieurs confinés dans votre domicile, et aussi en communion les uns avec les autres, en partageant ensemble cette vidéo dans la communion de l'Église universelle. Seigneur, viens, sois avec nous, venez et goûtez comme le Seigneur est bon. Amen. Tu resteras solitaire.
prions ensemble les uns avec les autres et les uns pour les autres. Dieu éternel, toi qui as conçu le monde et qui le façonne, toi qui le gouverne et le sauve, nous te bénissons d'être libres de te louer, éveillés et conscients, reliés dans la famille du Christ à ceux qui te prient dans chaque pays. Nous te célébrons, heureux de participer à tes desseins et à tes projets. Libère tous ceux et celles qui suivent le Christ de l'étroitesse d'esprit, et garde-les d'être des disciples timorés. Que ton peuple te serve avec conviction, imagination et compétence, dans le domaine public, les affaires, la politique, l'éducation, la justice, l'industrie, et partout où le bien-être de l'humanité peut être amélioré ou est mis en danger. Qu'ainsi, la compassion et la justice modèlent les vies et les institutions de nos pays, avec autant de pertinence qu'elles interpellent nos consciences. Au travers de cette journée, élève nos esprits, inspire nos échanges, façonne nos décisions et protège celles et ceux que nous aimons. Et si aujourd'hui nous apporte ce que nous n'avions ni désiré ni anticipé, augmente en nous la foi et réduit notre orgueil, jusqu'à nous faire comprendre que quand nous faisons face à l'inconnu, nous ne sommes pas seuls. Entends ces prières que nous faisons en présence et au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a appris à te prier comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Thank you.
Voici le temps de retourner à votre quotidien. Voici le temps de vivre de cette bonne nouvelle au jour le jour. C'est Dieu qui vous envoie sur les chemins de votre vie. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Dieu qui a levé Jésus-Christ d'entre les morts fasse lever en toi ce qui est mort. Que le Dieu qui s'aime à tout vent fasse lever en toi la plus belle des moissons. Il t'accompagne tous les jours sur les chemins de vie qui sont les tiens. Va, il t'aime, il te donne sa vie. Amen.